Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscrépant. Dans ce service de vous abonner, vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, cliquer sur la cloche pour activer et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Cette vidéo est extraordinaire déjà et nous sommes dans le témoignage puissant 119, à la suite du témoignage puissant 118. Vous pouvez la regarder pour en savoir, vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses ici. Et c'est un ex-sataniste qui va nous raconter son histoire. Et ici, il se prépare à nous parler de quoi? Des tatouages. Regardez en dessous là. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tatouage, c'est ça, les tatouages. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que Dieu permet ça? Vous allez découvrir tout ici. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Un démon qui est tout simplement là-bas. Et regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire. Ok, préparez-vous, nous allons en savoir plus ici. C'est parti. Une, deux, trois, let's Vous go! allez vous rendre compte que la femme va faire des incisions sur ses seins et l'homme mainement, et ils vont sucer cela, même si c'était un mariage religieux. Vous allez vous rendre chrétien, vous allez vous rendre compte que c'est là que même les démons de la famille vont profiter pour y entrer. Et puis, mambo ya chanjo, abikutoke mu royaume céleste, bilitoka ni mu royaume ya diable. Les problèmes des incisions ne viennent pas du royaume céleste, mais ça vient du royaume du diable. Beaucoup de gens aiment des décisions ici à Kolo, surtout à Kassolo. Non, j'ai les maux de tête, si vous voulez faire des tatouages afin que je puisse guérir, ce n'est pas un problème. Ça ne vient pas du monde céleste, mais ça vient du diable. Nous allons lire Lévitique. Si Dieu autorise les tatouages, à partir d'aujourd'hui, on va nous tatouer. Si Dieu autorise les tatouages, à partir d'aujourd'hui, lui-même va les tatouer. Ça veut dire que lui-même, il aime les tatouages. Mais comme Dieu n'autorise pas ça, il est obligé de ne pas le faire. Et c'est juste parce que si tu te tatoues, si tu ne sais pas, tu es en train d'ouvrir une grande porte au démon. Parce que derrière les tatouages se trouve quoi? Ça, c'est le démon qui se trouve là-bas. C'est un démon, faites attention. Ça, c'est qu'un exemple, un seul exemple. Si vous êtes habitué à un serpent, ce sera un démon en forme de serpent qui sera là, sur vous. Et là, ça sera chaud. Écoutons-le, s'il vous plaît. Let's go. 19-28. Nous voilà sommes la Lévitique. Lévitique, voilà, oui. Chapitre 19, verset 28. Oula, n'a pas ta somme. Amen. Dans votre chair. Papa, je m'en viens bien parler. Amen. Amen. Bashimichanje mumwili yenu. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair. Ana Moïse ko nasema. C'est pas Moïse qui est en train de dire. Aina Mark anasema. C'est pas Marc qui est en train de dire. Utayo ule ko nasema ni nani? Vous saurez qui est en train frère, de dire. Continue. Je suis. Amen. Niko wa milele. Je suis l'Éternel. Mungu ye mwenyewe ko nasema mambo ya chanjo. Dieu lui-même est en train de parler sur les incisions. Pourquoi alikuwa anakataza taifa yake mambo ya chanjo? Pourquoi il voulait pas que son peuple puisse faire des incisions? Bilitoka ni mu royaume ya tenebre, ni kwa shetani kulitoka ile ma principe ya manchanjo. Parce que ça vient du monde des ténèbres, c'est les satans où sont venus ces problèmes là-bas d'incisions. Bengine basha kwendaka mukasulu bana bachanja Mwanza mbala mukivuno. Et d'autres sont allés à Kasolo, ils ont été incisés au niveau des hanches Mwanza. Mwanza mbala. Mwanza mbala. Inekalaka ni dawa moya manake mloji astakulokaka. Ce sont des fétiches, le sorcier ne va jamais t'ensorceler. Shetani anafucha miaka muntu sana. Vous savez, le diable se cache toujours derrière les hommes. Ile mwanza mbala batakuchanja mloji ateyona atenda kutafuta mapouvoir moya ya nguvu ya kuwa ile mwanza mbala kisha anakuwa. Ce qu'on va mettre dans ta hanche, le sorcier verra ça. Il va encore chercher une autre puissance qui dépasse les puissances qu'on t'a données et après il va même te tuer. Moi je vais donner un moins emballé, c'est Jésus. C'est lui qui a Jésus, il ne sera jamais ensorcelé. C'est lui qui a moins emballé, sera ensorcelé. Église, baketi mwani ilikuwa na ile baketi ilikuwa ni mkubwa wangu mwani iliwaka mkono yake njoba linifanishake ile baketi marai kama ina shonta mkitu ndio mfumo kinawaka moto ama zunuje nenda kufasa niko na unilakusha unifaa bintu kani niko na mpima nguvu ataanza kukilakusha hivi kanani kanawaka moto mimi anza kuna ni 6 bosasa bo mfumo pale huko wapi
Alors à un moment donné, j'arrivais à un niveau où si j'allais dans une maison d'un devin, arrivé là-bas, j'avais une baguette. J'ai eu ça le jour où j'avais tué mon grand frère. C'était son bras qui me servait de cette baguette. Au moment où j'arrive là-bas, pour tester les puissances qu'a ces devins là-bas, je devais faire brûler les vases qu'il avait où il faisait ses incantations. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il était mort. Ce n'était pas ma volonté. J'étais dans un monde qui ne m'appartenait pas. On m'a demandé de nous donner, donne-nous tel. On a même cité son nom. C'est vraiment une mauvaise mort. Je regrette même quand je suis déjà chrétien. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, tu ne dois pas mourir dans les mains des sorciers. Pour refuser de mourir dans les mains des sorciers, tu dois t'attacher, te connecter à Dieu et aimer les choses qui se passent dans l'église. Au moment où on avait fait ce groupe là-bas, on nous avait amené le premier devant qui est venu du Nord Katanga. C'est, on est allé à notre QG où on était en train de préparer nos. C'était pour la première fois de voir vraiment la peau d'un lion. Et ce devin là-bas avait une petite casserole où il y avait les os de celui qui s'est pendu, de celui qui est mort en se jetant sous l'eau, ou celui qui est mort à travers la foudre. Celui qui est mort par une foudre ou celui qui s'est pendu, après son enterrement, la nuit, les gens qui aiment faire les fétiches vont sur sa tombe et ils sont en train de faire dépendre des choses sur lui pour faire augmenter leur puissance. On est en train de vendre ses puissances là-bas. J'ai quitté en 93 Lubumbashi pour aller à Kasolo acheter ses puissances là-bas. C'est pourquoi kufa ndani ya Yesu. Tu dois mourir dans les seigneurs. Kama unakufa mupagani. Si tu meurs païen, kori yako batacheza nayo sana juu ile sabasha kukweka ku morgue. Bushiku kuku bantu batenda ku morgue banaenda banapeleka franga kwa kilengo yuko natosha maparti anaingisha mkono. Banatosha pence, banaingisha mkino, banakokota meno, anampachia, anamupa lwake franga. Ile meno ateichoma, anatuanga ile poudre ni bijimba. Alors, vous devez faire attention, celui qui meurt païen, même quand il est à la morgue là-bas, les gens qui aiment les fétiches peuvent aller la nuit, payer les gens qui gardent la morgue et ils vont entrer là-bas pour prendre un organe sur ton corps et aller faire leur puissance. Kama kilengo acha kukufiancer, il faut rompre le fiançailles, mukatale ula na bwana. Si un gardien à la morgue t'a déjà fiancé, tu dois vraiment arrêter ses fiançailles parce que ce n'est pas un mari celui-là. J'ai des raisons qui font à ce que je puisse dire ça. Vous connaissez d'autres sœurs? Ils sont pressés dans la vie. Ça, c'est un travail. Il est en train de m'habiller et de me nourrir. Qu'est-ce que moi je peux faire? Il y a d'autres femmes qui ont d'autres maris qui sont nourris et aussi vêtus comme toi. Est-ce que leurs maris sont des croque-morts? Pourquoi je refuse cela? Il y avait des fétiches que j'avais provoqués moi-même. Je voulais atteindre une dimension et on m'avait demandé de passer nuit dans la morgue pendant 18 jours. Je vais t'expliquer ces fétiches dans le jour approprié. Donc, patron est allé en Afrique du Sud pour repos médical. On a semé samedi, taïtisha muntu moya ko turkwa kate pa kusaba tai injina yako. C'est pourquoi il est allé kutafuta le lawa. Maintenant, kulala mu morgue 18 jours. Notre patron était en Afrique du Sud, alors il devait parmi nous quelqu'un devait le suivre. Alors pour citer ton nom, c'est comme ça que moi j'étais allé dormir dans la morgue pendant 18 jours.
mambo yote mulikalaka paka kuchitoa akukalake benefice bila sacrifice. Dans toute chose il y a toujours un sacrifice, il y a pas de bénéfice sans sacrifice. Pako ne chitoa jo Mungu atakusaidia mais kama wao upende kuchitoa huko na muriria paka Mungu akupe Mungu ashitakupa. Même dans les choses de Dieu il faut toujours se sacrifier pour avoir la bénédiction. Même si tu es en train de prier sans sacrifice, Dieu ne va pas te donner. Mina semaka kintu kimoa hivi. Je dis toujours une chose. Muntu la natuangaka magoti yako na lomba Mungu asa Bwana unisaidie kwa chakula leo atu yakule mimi nasa ule ni païen ana mtoto wa Mungu. Celui qui se met à genoux pour demander la nourriture, moi je dirais que celui-là c'est un païen, ce n'est pas un fils de Dieu. Pourquoi mimi nasema ni mpagano? Pourquoi je dis que c'est un païen? Mina leta mfano moyo. Je vais donner un exemple. Aba banduku batura beko hapa ni watoto yangu. Vous voyez les trois frères qui y a là-bas, ce sont mes enfants. Bakitoke kwa masomo banaweza kunilomba papa bukari. Est-ce que s'ils viennent de l'école, ils peuvent demander papa donne-nous à manger? Ni devoir yangu il c'est mon devoir, ils doivent manger. Ils ne vont jamais demander cela. Mais un enfant de l'extérieur, il peut venir demander en disant: papa, hier on n'a pas mangé, vous pouvez nous aider. Parce qu'il n'est pas de la maison. Même si j'ai payé toute une vache, ils ne peuvent pas aller dire à l'extérieur: non, papa nous a acheté ça, parce que j'ai fait mon devoir. Dieu, c'est notre Père. On ne peut pas lui demander à manger. Moi je dis toujours que c'est lui qui demande la nourriture, c'est un mendiant. Il a juste besoin de la nourriture. Après cela, il va abandonner Dieu. C'est comme ça. Donc sacrifice kama ina ko bénéfice nayo ikalake. S'il y a pas de sacrifice non plus, il y a pas de bénéfice. Ba mama mweshi njo munauzaka malaki munsoko ya mamega masipashi ni moye. C'est vous qui achetez les haricots au marché. Après kuza mega malaki banafaka je. Après avoir acheté un seau de haricots, qu'est-ce qu'on fait? Matabishi eh shinju uriuza. On te donne le bonus parce que tu as acheté. Apa toka tu wendo fike. Matabishi. Ah, va seulement à l'extérieur dans dans une boutique, donnez-moi le bonus. Quand tu donnes le bonus, pourquoi? Je t'éclate ou quoi? Si tu as acheté, même si tu ne demandes pas, lui, il va seulement te donner. Amen. Amen. Pourquoi je ne veux pas que tu puisses aller chez ce monsieur, le mari là-bas? Pendant les 18 jours que j'ai passé à la morgue, j'ai vu beaucoup de mauvaises choses. À partir de ce jour-là, moi, Paul, je n'en vis jamais, je ne combats jamais la chose qui ne m'appartient pas. Vous voyez, beaucoup de gens ont de l'argent, mais il y a ceux-là, leur argent vient vraiment de monde compliqué. Tu peux l'envier et tu veux devenir comme lui. Or, l'argent qu'il a, il y a beaucoup de conditions et c'est de l'argent sale. Et la deuxième chose, si quelqu'un peut, après qu'il soit dans la morgue, dans les frigos là-bas, s'il peut vouloir bouger, le croque-mort là-bas voudra les tuer. J'ai dormi sur les bétons là où on met les morts. J'ai entré à 18h30 et j'ai quitté à 6h sans pour autant cracher. La morgue elle est très bonne quand on la voit pendant la journée. Pendant la nuit c'est une autre maison. Moi je croyais que le croque-mort dort là-bas, mais lui il passe nuit à l'extérieur. La première nuit que j'ai passé là-bas, j'avais eu comme l'impression que j'ai fait un mois là-bas. Tu es là-bas seul, tu sens quelqu'un qui est en train de tousser. Ne sois pas étonné. Le sorcier ne tue jamais les gens, mais ils ne font qu'un déplacement. Frigo inayala banaweka mamaiti pale pa mapeton pale. Le frigo était plein. On a mis quelques morts aux côtés de moi parce que j'ai dormi sur les blocs qui étaient là-bas. Il y avait un soldat d'un côté et une jeune fille de l'autre côté. À 1h du matin, la fille là-bas avait bougé. C'est parce que j'avais la sorcellerie, sinon je devais en tout cas. Je devais agoniser. Regardez, quelqu'un qui est déjà mort, s'il peut encore bouger.
J'avais regardé puis j'ai fait semblant. Moi aussi, je suis dans mes problèmes, dans des pensées. J'ai quelque chose que j'entends de chercher. À un moment donné, elle a commencé à pleurer. Elle a appelé sa maman parce que sa maman qui était en train de la garder quand elle était à l'hôpital. Alors les sorciers l'ont saisie, mais elle est revenue dans son corps. C'est la chose pour laquelle je n'aime jamais un croque-mort, moi, Paul. Et il était en train de gronder en disant, si tu es mort, mort et pars carrément, pourquoi tu es en train de faire le bruit? Alors, elle est arrivée au niveau de la fille, elle a dit, tu n'as même pas honte. Elle a pris la tête de la fille, elle a tapé ça au béton et la fille était morte. La personne, quand elle meurt, elle doit partir. Pourquoi toi, tu reviens encore? Ça, c'est quoi ça? Comment l'homme peut être aussi méchant? C'est la sorcellerie. Je lui ai posé la question, pourquoi tu l'as tué? Et il m'a dit ceci, le sorcier de chez lui l'avait déjà tué. Alors ils m'ont laissé la consigne de dire, si seulement elle revenait à la vie, que je puisse encore la tuer. Et le lendemain matin, les gens qui avaient tué la fille sont venus, ils ont causé à côté et on lui avait même donné l'argent. Et c'est l'argent que tu vas consommer avec un tel mari. Alors, va rompre de tel fiancé parce qu'un jour, il va même tuer ton père. Tu es avec un mari dans la maison, mais tu ne sais pas celui qui avait tué ton père. Amen. Amen. À part bile kisa maman kucha yabantu atatosha bintu bia kumuli yabantu eko na ujisha bantu mutabeba kori ingina subui munona damu inatoka mumpu ole muntu alilamuka manake ni yari mua bushiku ni shoki ile bari mpika kani kukicho kani kintu kanjole damu inatoka. À part cela, il prend même les ongles d'autres organes du corps de gens, il est en train de vendre. À un moment donné, vous arrivez le matin, vous trouvez que votre défunt a les sangs qui coulent au nez. Dites-vous que peut-être que la vie lui est revenue pendant la nuit, et mais les croque-morts l'a tué encore. Si vous avez déjà vécu cette expérience, à partir du commentaire là, réagissez. Bonne assifie, oui. Que le Seigneur soit loué. Frère, on a eu mon maïcha, kilo tasema, kitakufikia, wanze kusemaka bintu bizuri muvia. Vous savez, frère, dans la vie, ce que vous dites dans la vie, c'est ce qui va vous arriver. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Mais écoutons d'abord pour voir ce qui va se passer. Et nous allons faire le témoin puissant. Ça vient tout à l'heure. Écoutons ensemble. Il y a d'autres personnes qui se disent, bon, que j'aille même en Europe, là je peux même commencer à faire le travail de croque-mort. Mais tu ne vas pas le faire seulement là-bas. Même ici au Congo, tu vas le faire. Et ça, c'est un travail, ça. Pourquoi tu peux te donner ces limites là-bas? Or, d'autres vont en Europe pour acheter des véhicules et venir les vendre ici au Congo. Et il avait pris la peau du lion, il a mis ça là-bas, même une hache, et nous avons piétiné la hache. Et il y avait des couteaux, des choses tranchantes, et quand il était en train de nous faire laver cette eau, et il nous a même donné les couteaux qu'on a mis dans nos bouches, on a pincé ça avec nos dents, et c'est ce que vous appelez Kizaba. On ne se lave pas comme l'eau. Tu portes tes mains, tu vas les introduire là-bas, tu commences à te mettre ça sur ton corps en train de dire des mots. Ce sont les, tu es en train de te vêtir des démons. Et il va brûler ses os là-bas et les cendres qu'on va trouver, il va mettre ça sur nos têtes, sur la langue et aussi sur nos pieds. Et puis tu as fait 3 jours. Alors on avait fait 3 jours, on passait nuit à l'extérieur, pas dans la maison. Si tu oses seulement d'aller
passer nuit dans ta maison avant les trois jours. Ces démons là-bas, ils vont entrer dans ta maison, ils vont déranger les gens, même tuer ces gens. S'ils n'arrivent pas, toi tu peux devenir fou. Même pendant les trois jours là-bas, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas curer les dents, tu ne vas rien faire. Il faut seulement attendre trois jours. C'est un des fétiches vraiment compliqués parce que tu te réveilles d'un mort. On est en train de te fusiller, tu sens vraiment que ça ne te touche même pas. C'est comme si on était en train de te chatouiller. C'est comme si on chaque fois l'antibal. C'est comme si tu as déjà mis l'antibal. Amen. Amen. Regardez dans votre ville de Colosie. Il y a beaucoup de fous. C'est à cause de cette période là-bas. Moi aussi j'étais comme eux, je ne sais pas la grâce que Dieu m'a fait. Aujourd'hui je suis serviteur. Parce que tu as cru, tu as vraiment une grâce qui est vraiment trop grande. Et les féticheurs là-bas étaient partis. Alors, on avait eu un autre féticheur qui nous avait dit ceci. Allez dans votre maison, prenez l'aiguille avec laquelle on est en train d'arranger les habits avec la main. Et après, quand tu termines de manger, la dernière partie que tu auras, ne la consomme pas, viens avec. Ce n'est pas que le boukari que vous allez garder, lui va manger, sinon il va faire des fétiches avec. Il avait pris nos cheveux, il avait pris nos ongles et aussi une saleté qui s'est trouvée sur nos corps qu'il a mis dans le boukari qu'on lui avait donné. Il a mis aussi quelques puissances là-bas. Ils avaient demandé d'aller sur la rivière de Lubumbashi et vous regardez en avant, mais la rivière se trouve derrière vous. Vous jetez ce boukari là-bas et vous dites des paroles et puis vous partez. Amen. Amen. Dans cette eau là-bas, il y avait des esprits. Il y avait les Dona Fichi. C'est pourquoi la rivière Lubumbashi kana mezaka bantu kila mwa even vule na ta kwanza kana tana kwanza kumeza bantu. C'est comme ça que cette rivière avale beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas et surtout que nous en avons pendant la saison des pluies. Pour l'esprit anatoka ka inje anatoka ka mois de juin anatoka. Cet esprit quitte même l'eau au mois de juin. Et s'il a besoin de quelqu'un, il va commencer à l'appeler. Il te dit non, viens, entre ici, on va causer. Les gens vont voir comment tu vas sauter seulement dans l'eau. Mais toi, tu ne verras pas que tu vas entrer dans l'eau. Et c'est là qu'il va te bloquer. Au moment où on avait jeté cela, les ongles et les cheveux, ce sont nos vies qu'on a données à ces démons. Et nos vies se retrouvaient maintenant dans les mains de cet esprit là-bas, Donafish. Et les aiguilles là-bas. Alors, il nous avait dit ceci, si on vous demandait les aiguilles, ne prenez pas les aiguilles que vous avez dans les maisons. Prenez les aiguilles que vous allez acheter. Parce que si vous prenez les aiguilles qui se trouvent dans vos maisons, vous allez bloquer les vies de toutes les personnes qui ont touché à cette aiguille là-bas. Et il a grillé ces aiguilles là-bas dans une petite casserole où il y avait les os. Ils avaient piqué ces aiguilles là-bas, tu ne vas même pas sentir de douleur, l'aiguille va entrer. Et l'aiguille avait quel sens? Tu as dessiné
cercle mumulango mine ingia mu ile cercle neka mkono yule unafunga macho mtu atona sasa niko nafaa priere kumbile shindano iko nanitembea iko natembea kama nafika huko nchongo ya kilole inanitwanga sana maana kile journée kumbasi ta tembea. Alors ça nous servait à quoi? Chaque matin on se réveillait, on trace un cercle par terre et puis on se met dans ce cercle là-bas, on élève la main, on est en train de faire des invocations. Toi tu vas croire que je suis en train de prier, mais l'aiguille va commencer à circuler dans mon corps. Au moment où ça va commencer à trop me piquer, je vais me dire la journée d'aujourd'hui ne sera pas bonne parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. C'est pas ce qu'on appelle bague de protection aussi. C'est à peu près la même chose. Alors si ça circule et que ça ne vous pique pas, donc il n'y a pas de problème. Même si je suis dans un véhicule, mais pour son, je sens que ça me pique, je vais seulement demander au chauffeur, moi arrête, je vais descendre par ici. Vous pouvez vous dire que ce sont des fétiches qui étaient bien, mais même par rapport aux accidents, même dans un train, si ça me piquait, je vais faire de tout mon mieux pour quitter ce train là-bas. Vous savez que c'est un menteur, le diable, et puis c'est un insensé. Pourquoi? Si tu es dans l'avion, vous êtes en l'air, vous êtes en train de voler, et les guides te piquent. Vous voyez et la chose te pique, les guides là-bas te piquent. Tu peux demander au pilote, on peut même te jeter. Bon, quand tu vas arriver vivant ou qu'est-ce qui va se passer? Et la deuxième. Le deuxième exemple, c'est quand tu es dans un bateau et que l'aiguille t'est piquée. Il faut être Jésus pour marcher sur les eaux maintenant. Et comment tu vas marcher? Vous savez que les choses du diable, ce sont des choses qui sont vraiment mensongères. Ça a des limites. Évitez d'aller voir le féticheur. Non, je voudrais que tu puisses me donner les fétiches. Quand je mets le poing dans la poche, au moment où j'ai fait sortir, là, ça va augmenter de volume. Le volume qui va augmenter, ce n'est pas pour toi. Il y a un démon. Et un jour, cette histoire va te taper toi-même. Il n'y a pas de fétiches qui sont propres aux insensés. Si les fétiches que nous cherchons pour avoir la force, ça va vous servir à quoi? Quand tu vas taper quelqu'un, ça va t'amener où? Et ce féticheur là-bas était parti. La dimension avait augmenté, il y avait un autre qui était venu. Avant de vous donner les fétiches, que chacun aille chercher un chat, mais que ce soit un chat noir. Vous savez, attraper un chat, ce n'est pas facile. J'avais demandé à mes amis, donnez-moi l'argent, je vais vous amener des chats, parce que je savais les manœuvres que je vais faire pour attraper les chats. Alors, à cette époque, même quand les chats est en train d'aboyer au moment où ils ont dépassé, il suffisait que je regarde seulement ces chiens là-bas, ces chiens vont se retirer parce qu'il voyait en moi un chat très gros. Je n'aimais pas entrer dans la maison de quelqu'un qui faisait l'élevage. Si j'entre dans ta maison, j'y fais même 3 heures et tu as des poules que tu as déjà dans la maison. Les poules vont commencer à mourir une à une. Kamani ba pigeon kuna bunengia munyumba ba pigeon batanzo kimbia mwa bote bataisha banenda wao tayuaka sema ni mtu fulani ni c'est pourquoi mtu wote kama anakuwa kwako avant mambo yote mbele muombe Mungu kama kuna ombo na neutraliser ma esprit yote mubari kwa nayo. Si tu as des pigeons à la maison que moi j'arrive, ils vont commencer à s'envoler, partir un à un. C'est comme ça que si quelqu'un vient chez toi, tu ne connais pas son état d'âme, tu dois d'abord prier afin de neutraliser toutes les puissances qui est en lui.
Un païen m'avait suivi et il me disait, frère Paul, vous savez que la magie aussi c'est une bonne chose. Et il y a quelqu'un, s'il entre dans la maison, au moment où il s'assied, toutes les ampoules vont s'éteindre. Et même l'électricité va. Et si c'est levé comme ça, tout redevient normal. C'est ce qui te plaît vraiment. Tu as bien fait. Moi je connais, il y a quelqu'un, avant de rendre l'âme, il avait regardé le soleil. Et le soleil s'est éteint. Sur toute la terre, il y avait les ténèbres. Même le sol avait bougé. Allez appeler ses frères qui regardent aussi le soleil, on verra si ça va s'éteindre. La magie, ce sont des choses des insensés. Il a regardé seulement l'ampoule, il a crié et l'ampoule. Parce que c'est l'homme qui avait fabriqué cela. Qui regarde seulement le soleil, on verra ce qui va se passer. Je dis toujours que Dieu avait bien fait de gérer lui-même le soleil et la lune. Tu pouvais laisser ça aux hommes, il devait y avoir des délestages même au niveau de cela. Et si ça vient, c'est pour tout le monde, personne ne pourra commander. La sorcellerie, c'est quelque chose des insensés qui pousse s'associer pour un jour éteindre la lumière du soleil. Et les gens sont des insensés. Ils se posent même pas la question. Comme les blancs on dit qu'ils sont intelligents. Si un jour ils peuvent diminuer les rayons solaires qui nous frappent, ça sera vraiment bien. Mais ils vont jamais les faire parce qu'ils ont déjà essayé. On avait trouvé des chats qu'on avait amenés à ce féticheur. Et nous sommes allés au cimetière des 5 ans, chacun avec son chat dans un sac avec un couteau. Et chacun de nous, tout le monde était sur une tombe et nos familles n'étaient même pas au courant. Ce qui va se passer ici là, ça va vous étonner, mes frères et sœurs. Regardez la prochaine vidéo, le prochain témoin puissant. Ça sera le témoin puissant 120. Excusez-nous, nous sommes à combien ici? Nous allons jeter un coup d'œil pour voir quel est le témoin puissant que nous sommes en train de traiter en ce moment. Voilà, donc le témoin puissant 120 va venir après cette vidéo. Franchement, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer. Ici, il faut attraper 3 chats. Et ces 3 chats, à un moment donné, quelque chose de grave va se produire. Ces 3 chats morts seront ressuscités. Ressuscités à cause de quoi? Découvrez la prochaine vidéo. Les 5 j'aime si vous avez déjà été touché. Les tatouages, franchement, évitez-les. Si vous avez vous êtes déjà tatoué, demandez à Dieu de vous pardonner et de vous plonger dans son sang pour vous purifier et vous délivrer de tous les liens qui vous lient au monde des ténèbres. À cause de ce tatouage, que Dieu bénisse ses frères et sœurs. C'est parti.